Je peux rester assis devant un feu, dans la pièce la moins exposée de tout au danger, et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité, si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a le plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que je puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seule sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas, confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seule? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort.